Salutations voyageurs, nous nous retrouvons à nouveau sur Forspoken pour la suite de notre grande aventure. Et nous sommes pas loin de Sipal pour continuer notre petite histoire principale. Comment je vais pouvoir l'annoncer? Je te suggère de ne pas le faire. Ah oui, attention, ça spoil. Hein. Découvrir que tu fais partie de la famille ne les réjouirait guère. Ouais, on peut pas dire qu'elle sème la joie et la bonne humeur là où elle passe, hein? Tôt ou tard, tu devras prendre une décision importante, tu sais. Tu veux dire décider de tuer ma mère ou pas, c'est ça? Le moment venu, quel que soit ton choix, je serai là, avec toi, pour faire ce qui doit l'être. Pour l'instant, allons voir si notre cher vieux Bob peut nous apporter quelques réponses. Ok, il faut retourner voir Robian. Forcément, hein, je compte sur vous pour ne pas vous plaindre, parce que ça spoil, hein, quand même, c'est l'épisode 15, je crois. Forcément, si vous cliquez sur l'épisode 15, il va y avoir du spoil. Hein. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint parce qu'il y avait du spoil dans une vidéo, alors que bon, c'était possiblement l'épisode 20. Si vous cliquez sur un épisode qui n'est pas le numéro 1, possiblement il y aura du spoil. Hein. Forcément, hein. Du coup, soyez pas chiant, s'il vous plaît. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Il s'est passé quelque chose avec Robian là. Il est quand même pas mort, sinon je peux pas rentrer chez moi. Hein. Hey, mon vieux, comment ça va? Tip top, jeune frais. Tip top. Accrochez-vous. J'ai vraiment besoin de vous dans cette lutte. Ce combat, c'est... C'est le tien, maintenant. Mais... Je sais. Je sais. Tu veux retourner chez toi, mon enfant, hein? Whoosh. Pas seulement Whoosh. J'ai tellement de questions. Je le vois. Tu sembles avoir déjà retrouvé ton chez-toi. Non? Vous saviez? Je n'en étais pas encore sûr. Putain. Bah, il est beaucoup trop intelligent pour son propre bien, lui, hein. Je sais pas à quel moment il a pu comprendre ça. Hein. Protège Atia. Bon bah nickel. Bon, on rentrera pas à New York, hein, bien sûr. Whoosh. Point de rupture. L'enfant de Cynta. On a terminé un chapitre du coup. On aurait pu le faire dans l'épisode précédent du coup. Désolé, hein, je savais pas que c'était si court. Je pensais que ça allait être un long chapitre et en fait, bah non. Point de rupture, chapitre 9. Merde!
Bobby était ma dernière chance de quitter cet endroit, et me voilà coincée dans ce délire. Navré que la mort de mon père t'ait causé autant de tort. Non, c'était pas ce que je voulais dire. Non. J'ai perdu le père que je venais tout juste de retrouver. Avec qui j'aurais aimé passer plus de temps. Tout ce qui me restait, c'était lui. Je suis désolée que pour toi, ce soit si dur. Non, je n'ai... Tu n'as pas quoi ? Réfléchis ? Non, tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Ça, mon peuple a perdu... Ça, c'est déplacé, quand même. ...tant de choses. Il n'a aucun moyen de quitter ce délire. C'est ici qu'il vit, que moi, je vis. Mais je ne voudrais pas... Que notre souffrance et que notre future destruction t'empêchent de pleurer sur ton sort. Ah, ok, je trouve ça pas juste. Juste ? Parlons de justice, si tu veux. Ce qui est injuste, c'est que la seule et unique personne capable de nous aider est trop égocentrique pour le faire. J'ai quand même versé mon sang pour vous. Mon peuple t'a accueilli. Ils étaient effrayés. Et à juste titre. Mais ils t'ont quand même accueilli. Pour les aider, merde! Et en quoi c'est un mal? Personne ne vit sans les autres. Tout le monde s'entraide sans se plaindre, c'est comme ça, Atia. Mais je n'aurais sans doute pas dû m'attendre à ce que tu comprennes ça. Après tout, tu n'es pas des nôtres. Non. Non, tu sais quoi? T'as raison. J'ai pas grandi ici. J'ai pas eu toute une communauté pour me soutenir. J'ai pas pu aller prendre des verres avec mes amis au bar. Pas pu jouer avec d'autres gosses. Pas pu me promener dans de beaux paysages. Je n'ai pas eu de mère ou de père qui m'ont voulu. Ou qui m'ont aimé. Alors non. Je me fous de ce qui peut arriver à Atia. Qu'il soit sauvé ou qu'il brûle. J'en ai rien à foutre, parce que cet endroit, c'est pas chez moi. Va-t'en. Va-t'en. Avec un immense plaisir. Bon. Oh, ça tourne mal, comme on dit dans le milieu, hein. C'est pas ça, hein. Fréoland retrouve sa mère, ça tourne mal. Le futur titre de vidéo, bien sûr. Fort avec elle. Ne t'en mêle pas. Son père vient de... Oui, je suis au courant. Il faut que tu te ressaisisses. Me dis pas ce que je dois faire. J'en ai marre de me casser le cul pour tous les autres. Je pourrais peut-être faire ce que je veux, pour une fois. Toi aussi, tu es d'Aptia. Tu devrais vouloir la même chose qu'eux. Sûrement pas. J'ai beau être née ici, je suis une New-Yorkaise pur jus du con. Et y a que chez soi qu'on est bien. Pas question de lâcher l'affaire. Je vais trouver le moyen de partir. Y a forcément quelque chose dans les archives. Frey, s'il te plaît, si on pouvait juste prendre un moment. Plus de moment. Et je veux plus t'entendre. Bon, c'est pas un comportement très héroïque, on va dire. Hein. Est mort. Si quelqu'un pouvait sauver Sipal, c'était lui. En vrai, moi je peux, hein, mais j'ai l'impression que Fréoland, elle a pas très envie. Hein. Elle en a les pouvoirs pourtant. Elle est de mauvaise humeur. Hein. Donnez-moi tous vos livres sur les Torana. Tu as toujours envie de partir, je vois. Oui, on ne veut pas de moi ici. Oden a été très claire. Ouais, ma chère mère a été très claire quand elle m'a... Quand elle t'a... Quand elle m'a banni d'Atia. Ouais. Votre bien-aimée Tanta de l'amour et ma douce et tendre mère. Celle qui m'a balancée par un Torana à la première occasion. Pas étonnant. Quoi ? Excusez-moi ? Je suis en train de vous dire que je suis la fille d'une Tanta et vous me regardez comme si j'étais en train de faire la météo. Tu n'as clairement aucune estime pour tes origines. Mais moi, je devrais en avoir.
Je te ferai remarquer que je suis ici pour tenter d'empêcher à tout prix un cataclysme. Si tu n'es pas là pour m'aider, alors bon débarras. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les gens se soucient des autres uniquement quand ils veulent quelque chose, c'est ça? Être né d'une Tanta est un honneur, pas une charge. Si tu es incapable de comprendre ça, il y a plein de beaux ouvrages qui seront bien utiles à ton enseignement. Tu auras plein de temps pour les lire quand nous serons tous tués. Le plan de la culpabilité, ça marche pas. J'en ai marre d'aider un monde qui veut pas de moi. Alors, je l'avais bien dit. Si tu es venu me voir pour trouver le moyen de retourner chez toi, toutes les réponses ont disparu avec Robian. Il ne reste qu'une seule femme au monde qui pourrait peut-être avoir ce que tu veux. Tu dois aller poser toutes les questions à ta mère. Junoon est par là-bas. Mais que les Tanta te bénissent. À des grands moments. Direction Junoon. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Bah oui. Junoon avait raison. Shinta doit connaître les Torana. Je l'obligerai à me renvoyer à New York ou alors l'une de nous deux tuera l'autre. Quoi qu'il arrive, cette putain de saga sera finie. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si nous allions d'abord rendre visite à Tanta Olas à Visoria, si nous mettons un terme à sa folie, son pouvoir nous rendra plus forts avant d'aller affronter ta mère. On n'est pas en démocratie. Ta voix compte pas. Ah, d'accord. D'accord. Ton avis ne compte pas. Mais un jour, j'aurai besoin de tes pouvoirs pour me défendre. Du coup, je compte sur toi pour m'aider. Hein. Bon. Frey. Je suis pas d'accord avec tes décisions. Hein. Je suis pas trop d'accord, là. C'est un peu... Bref, c'est un peu auto-centré, quand même. Hein. Vous tromper. Ah non. Non, c'est pas moi. Tu sais que c'est mal de mentir aux enfants. Tu leur dois des excuses. Je les ajoute à ma liste. Elle a l'air déjà longue. Bah oui, hein. Bon, en même temps, ça va. C'est acceptable. Ouf. Oh. Heureusement, Krav me fait pas la gueule, hein, sinon je serais morte, là. Il est encore là, le chat. Je savais que tu serais là. Merci, hein, pour la pépite. Non, mais je sais ce que c'est. Hein. Ah. Il ne s'enfuit pas pour une fois. Il a beau rester ici, c'est pas ça qui fera revenir Olivia. Moi aussi, j'aimerais la revoir, crois-moi. Mais... désolé. Il est si beau, le chat. Alors, spoiler, hein, si vous avez un chat, il fera jamais ça, ça pour va. Vous. C'est un chien, oui, mais pas un chat. Simplement de... Je m'en fous. C'est plus mon problème. Plus rien de ce qui se passe ici ne l'est. T'as compris? Un chien, oui, mais pas un chat. J'ai un chat, mais je sais que le jour où je disparais, il va s'en foutre. Hein. Et ça, c'est coup dur. Hein. Wow. Heureusement, elle est très... mon chat est très joli, et très mignon, et très affectueux, du coup, je lui pardonne. Je lui pardonne. Et possiblement, si je meurs seul, elle va me dévorer. Je vais te convaincre d'aller d'abord affronter Tanta Olas. J'ai dit non. Affronter ta mère sera difficile, Frey, bien plus que tu ne l'imagines. Tu devrais te préparer au mieux. Le pouvoir d'Olas... Olas, c'est leur problème, pas le mien. Pigé ? Hein ? Hein ? D'accord, on a fini vers où ? C'est par où ?
Bon, Frey, pour l'instant, elle prend des décisions discutables. Je suis pas tellement d'accord là. Petite crise, quoi. La petite crise existentielle. Ah, de beaux rêves. Homer. Si tu savais comme je suis contente de te voir. Ok. Petit flashback. Attends. Il y a plein de trucs un peu partout. J'arrête pas de me demander comment Alice pouvait être aussi sûre qu'elle avait rêvé. Et si c'était le pays des merveilles qui était réel? Oh. On va regarder ces pompes à nouveau. Ah, mon super kiff. Comme d'hab, je passerai ma vie à vous regarder. Ouais. Pas fan des chaussures, moi. Ça. Moi, j'en ai juste une paire. C'est pour mettre à mes pieds et c'est tout. Super, le nouveau c'est pour pas être à pieds nus, quoi. Je me l'achèterai en rentrant. Ah, le pognon. Putain, je suis pas allé au sport. Ah non. Tant pis, j'irai demain. C'était pas dans un sac comme ça qu'elle avait du pognon? Hey. Salut. Waouh, on dirait que t'es sorti tard hier. Waouh, non. J'ai juste super mal dormi. J'ai fait un rêve, mais super bizarre. Hey, regarde où tu vas. Désolée, tu disais quoi? Non, t'inquiète, j'en sais rien, je pourrais même pas te l'expliquer, même si je le voulais. Mais ça va? Ouais. On déjeune ensemble? Je vais aller à Hell's Kitchen pour un entretien. Oh, cool, chez qui? Cipal, c'est une start-up. Ouais, c'est drôle, ça me dit quelque chose. Ouais, ils recherchent un graphiste alors. Ils m'ont appelé ce matin. Alors, on déjeune? Ah, désolée, c'est pas possible. J'ai rendez-vous à la tienne dans une heure. Bon, bah, appelle-moi quand tu sors, d'accord? Ok, ça marche. Bonne chance. Merci. C'est pas du tout un flashback, ça. Petite réalité parallèle. Je croise les doigts pour son entretien. C'est peut-être allez, la brume qui nous a... qui nous fait voir des choses. Ouais. Salut, Frey! Merci d'avoir réparé l'interrupteur l'autre fois. De rien, c'était pas grand-chose. Je t'apporterai du strudel quand tu rentreras. C'est la moindre des choses. Ah, merci. J'en ai jamais goûté. Je t'apporterai du strudel quand tu rentreras. Moi, j'ai hâte de goûter, madame. Jamais goûté de ma vie. Où vas-tu, petite? Je sors pour prendre un café. Très bien. Amuse-toi donc. Toi aussi. Ok, c'est par là. Un knish, s'il vous plaît. Bah, tous ces trucs, je... bah, il était déjà prêt. Gardez hein. La monnaie, merci. Il l'a fait il y a 2 semaines. Ah bah bonjour. Vous êtes bibliothécaire. Hier, aujourd'hui un knish. C'est vraiment gentil, ma petite. C'est pas grand chose. Ah, bah elle mange pas tout de suite. Hein. Elle le garde pour ce soir. Hein. Tout
Ah, mais c'est pas les racailles, ça. Est-ce que vous mijotez? Hein? Oh, merde, c'est frais. Il serait peut-être temps d'arrêter les conneries. Vous croyez pas? On causera plus de problèmes. C'est promis. Fais chier. On se casse, Chrissy. Faites gaffe à vous. Mais genre quoi, là, ils ont peur de moi, là? Je leur ai mis la pression en leur disant bonjour. Bonjour, mon aura vous met la pression. Je suis la pression incarnée, quoi. Frais, salut. Je suis super contente de te croiser. Hé, hey, dis-moi, t'accepterais quelques heures sup? Les gosses au foyer se sont attachés à toi. Waouh, d'accord, ouais, c'est des gentils gamins. Génial, c'est vraiment sympa. T'es un bon exemple pour eux. Bon, je dois y aller. Bellette et Jenesh ont fait des bêtises hier soir. Merde, rien de grave? Espérons qu'on m'en confie la garde. À ce moment-là, tu pourras leur parler. Tout à fait. Merci, Frey. Je t'envoie un mail avec tes horaires. Bien sûr. Par contre, la musique en fond, vraiment, zut, c'est... Je suis à la bourre. Faut que je me manie. C'est musique de porno, quoi. Ils annoncent ce beau temps toute la semaine. Je vais marcher au lieu de prendre le métro aujourd'hui. Pourvu que papa et maman soient à l'heure. Oh. Hein? Ah, 50 d'XP. Ah, j'ai gagné de l'XP, hein, incroyable. Bonjour. J'ai des visions ou quoi? Time to face. You're safe. Il est temps de te faire face, c'est ça? Un truc du genre. Et là, bam, la voiture qui me renverse. Hey, salut Oden. Désolée, je suis un peu en retard. Salut ma belle. Oh non, c'est Cinta. C'est incroyable ce temps. Hein. On s'assied en terrasse. Oh, elle fait peur hiver. Par contre. Hein. Réchauffement climatique. Allons, on ne sauvera pas le monde aujourd'hui. Essayons d'apprécier ce moment, d'être bien ensemble. Faut arrêter de sourire, aussi, madame, vous faites peur. C'est presque ton anniversaire, donc... J'espère que ça te plaira. Merci. J'adore nos déjeuners entre filles. Bonjour, bienvenue à la tienne. Je crains qu'ici, le café ne soit pas authentique et plein d'arômes artificiels. Oh. Wow. On dirait presque que vous voulez nous chasser, hein. Oui, la propriétaire est redoutable. Sauvez-vous vite. Pardon. Excusez-nous. Les apparences sont trompeuses. Réveille-toi, Frey, avant qu'il soit trop tard. Oh. Mais comment est-il parvenu à se faire embaucher? Ils choisissent mal leur employé. Ah, mais c'est grave, en fait, le serveur. Donner mon nom. Attends. Il y a un truc qui cloche. Ce... Toi... Toi... Tu m'as laissé. Tu m'as abandonné. Je n'avais pas le choix. Tu dois comprendre ce sacrifice. Sacrifice? J'étais qu'un bébé. J'ai dû me débrouiller toute seule. T'as pas idée de tout ce que j'ai pu endurer. J'ai aucune pitié pour une mère qui se débarrasse de son enfant comme on se débarrasse d'un déchet. C'est moi ici la victime. Nous sommes tous des victimes. On nous a privés d'une vie. Ensemble où tu aurais appris à te préoccuper des autres. C'est dingue. Tu sais, j'ai appris un truc dans la vie. Moi d'abord, et les autres ensuite. Ça. Ça, c'est une illusion. Bah, elle est très forte, hein. Pour nous enfermer dans une illusion, là. Il n'existe qu'une seule personne capable de créer une fausse réalité. J'ai pas raison, Olas ? Ah, bonjour, madame. Okay. Oh, elle est jolie. Arrêtez de m'enfumer, laissez-moi sortir. C'est impossible, tu le sais. C'est votre création, alors je le répète. Arrêtez de m'enfumer et laissez-moi sortir de ce putain d'endroit. Jamais je n'accepterai la défaite vécue par mes sœurs. Frère, enfin. Mais bordel, où t'étais passé? Je t'expliquerai plus tard. Trouvons d'abord le moyen de sortir du cauchemar de cette folle. Ok. Bah. Elle s'est TP, hein. Non. Je perçois encore sa présence. Tu réveilles. Simplement, on ne la voit pas. Sois prudente. Je vais essayer. On va sortir de cet endroit merdique. Oh là là. Je vais bouger. Hein. Lanterne. Ces lanternes font apparaître des simulacres d'ennemis détruisent
Les détruire mettra non seulement fin au flot incessant d'ennemis, mais fera également disparaître tous ceux déjà générés. Boum. Boum. Par contre, elle a vraiment réussi à m'enfermer dans une illusion là. La barrière a été détruite. Ils ont disparu quand j'ai cassé la lampe. Cet objet amplifiait sans doute la puissance de l'illusion. Bon, montre-moi où est la sortie. Que je quitte cette illusion. Oh là là. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ce monde est celui d'Olas. C'est elle qui... Hop là. Attends, c'est qui ça? Continue d'avancer. Enfin, c'est quoi plutôt? Nous aviserons au fur et à mesure. Message reçu. Allez, boum badaboum. Ah. Ah forcément, faut que je me réhabitue au jeu. J'ai arrêté d'y jouer pendant 2 jours. Je sais plus jouer du coup. Et voilà. La barrière a été détruite. Et vous pouvez maintenant progresser. Regarde, la barrière est tombée. Elle devait certainement être liée à la lampe. Attends. Bah attends, ça doit être par là du coup. Olas t'a englouti dans la brume. Elle t'a piégé dans son monde d'illusions. J'essayais de te parler, mais impossible de le faire directement. C'était donc toi qui m'envoyais tous ces messages bizarres. Bah tant qu'à faire. Hein. Bien joué, ça a été pris. Hein. Fuck. Fuck. On a réussi en fait, fallait faire ça. Ah, fallait tomber quoi. Fallait chuter. Ouais. Ah bah non. Ah bah si. Merde. Comment on sort d'ici? Regarde-moi bien. Détruis la lampe. Cela réduira l'influence de l'as. Ah. Ils sont tellement nombreux. C'était trop long de les affronter. Ça doit calmer. Oh, on en a eu là. Très bien. Petit 300 d'XP encore. Il faut détruire la lampe. Ça devrait le faire. Hop. Ah. Ah ouais, tu peux faire ça toi. Wow. Hop. La mine. Bonne nuit. Boum, on récupère des PV. L'armure. Ah ouais. Hop, un petit semi. Ouais, voilà. C'est tellement kiffant quand on enchaîne les choses comme ça. Une barrière défensive protège la lanterne contre toute forme de dégâts. Pour détruire cette dernière, toutes les illusions invoquées, la lanterne devront être éliminées. Ce que je fais n'a aucun effet sur cette lampe. C'est pas
comment ça marche, mais je crois que les monstres la protègent. Alors, il faut d'abord se débarrasser d'eux. Ok, compris. Hop. Zéro effet. Boum. Donne une rouste à cette lampe. Je vais faire mal. Quelque chose cloche. Vite. Arrête de lui faire mal, Fred. On est bien? Non, mais c'est une illusion, sois pas bête. C'est pas réel. Sois pas bête, hein, par pitié. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Non, j'ai essayé, mais... Ressaisis-toi, Fred. Olivia est morte. Ouais, ne parle pas à une illusion, ça sert à rien. Encore une barrière? On dirait l'œuvre de l'As. Ok. Il bouge plutôt vite. Boum. Ouais, je vous rappelle, moi je joue à domicile ici. C'est ouais, on joue à domicile là, mon gars. On est à New York, bien sûr. Dernier. C'est le moment. Ça semi. Le semi c'est fort quand même, hein. Faut en abuser, hein. Surtout contre les gros ennemis. T'as rien entendu? Ça m'en gagne tellement de XP par contre. De la ruelle. Hop là. J'ai déjà vécu ça à une autre époque. C'est un souvenir du bon vieux temps à New York. L'impression de déjà vu. Bah oui, on a escaladé tout ça et on s'est enfui. Je peux me défendre. Lui a l'air plus fort que les autres. Montrons-lui qu'il ne faut pas venir nous chercher. Exactement ce que je pensais. Je suis bien lancé. Ah, possiblement là, bon. On n'a pas le semi, par contre on a le stun. On est un peu nul là. Désolé. Ça va être vite réglé. On invoque. Ok. Je pensais pas en avoir besoin. Mais au final, on va en avoir besoin. Éruption. C'est quoi l'éruption? Wow. Ok. On aurait pu mourir là-dessus. Hein. Un peu de changement. Oh là là, on est nul. Hein. Petite prison aqueuse. Ah ouais, ça. Petite tornade. C'est mieux comme ça. On veut voir un tour de magie. Boum. Wow. Oh, ce qu'on lui met. Est-ce qu'il m'a mis là? Boum. Ouais. Le semi qui a été raté, bien sûr. Bah non, mais à quel moment? Il a fait un tour sur lui-même, je m'y attendais pas. Bon, pouf pouf pouf, on a rien vu. À quel moment on recharge par contre? Est-ce que j'ai fait chargement rapide? Ok, bon, dans la ruelle. Bon, il s'agirait d'agir avec respect et d'arrêter d'être mauvais, du moins à ce point. Lui a l'air plus fort que les autres. Montrons-lui qu'il ne faut pas venir nous chercher. Exactement ce que je pensais. Je suis bien lancé là. Boum, petite prison aqueuse. Il y a des limites. Héros et fait. Ouais. Génial. Boum. Hop là, Luchi.
peu la mitraillette. C'était le semi, ouais, c'était le semi. Le stun. Hop, la tourelle, la mine. Ah. Super. Ma botte secrète. Armure. Ouais. En fait, il te suit vraiment. Ah ouais, ça. Vraiment de façon vénère. Boum. Boum. Bon travail. Détruis cette lanterne. Faut pas se relâcher. Boum. Pourquoi tu fais ça? Arrête ça. Pour le plaisir. Olas, retourne ta culpabilité contre toi. Ne la laisse pas entrer dans ta tête. C'est pas là? C'est là-bas. T'imagines si j'avais eu la magie à l'époque? Tu es nostalgique. Bah... Je réfléchissais, c'est tout. Tu aurais été la... la pire criminelle du monde. Allez, vas-y, ah. Saute. Ce serait tellement mieux. N'est-ce pas ce que tu penses? Je ne le vois que trop clairement dans ton esprit. Tu ne trouves pas ta place dans ce monde. Ta vie n'a pas de sens. Et à qui manquerais-tu? Qui s'en soucie que tu vives ou meurs? Moi. Ils te laisseront tomber. Ça finit toujours comme ça. D'ailleurs, tu les as abandonnés? Toi aussi? Uden? Joedi? Les habitants de Sipal? Et Homer? Peut-être mieux vaut mourir ici? Maintenant? Personne n'aura jamais besoin de le savoir. N'écoute pas, Frey. Ça compte pour moi. Je suis avec toi. Non. Non. C'est encore une de vos manipulations. N'est-ce pas, Olas? C'est quoi le problème? Vous avez la trouille de m'affronter? Elle est en train de le faire, hein, techniquement. Hein. Merde. Oh. Bah c'est... Olas essaie de t'empêcher de partir. Si tu meurs, tu resteras piégé ici pour toujours. Génial. Dis-moi, si jamais elle essaie encore de m'embrouiller... Je serai là pour te traîner. Ne t'en fais pas. Hop là. Donc pour l'instant, c'est une belle victime. J'ai bien envie... Suspense. ...d'invoquer des trucs, là. La puissance protectrice neutralise, j'ai plus le temps de dire, mais ça neutralise quelque chose. Et tu ne te réveilleras jamais. Prise vainqueuse. Ah, mais je pensais pas qu'il allait être vulnérable à ça, en vrai. Ça devrait le faire. Oh là là. On est en train de lui mettre, là. Super. En mode invisible. Je m'en serais bien passé. Cesse de geindre, ou tu ne l'entendras jamais arriver. Comment je le vois, là? Ça doit te... C'est une invisibilité de jeu vidéo, du coup on le voit. Alors, Frey, crains-tu désormais ma puissance? Merde. Ignore-la. Nous y arriverons. Tac. Ok.
Tac. Prends le temps de te ressaisir. C'est quoi cette lumière? Sûrement quelque chose d'hostile. Sois vigilant. J'ai un très mauvais pressentiment. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça devrait le faire. Arrière! Hop, petit semi. Attention! Ça y est, on est. À gauche! Non mais c'est bon, je le vois, t'inquiète. C'est une fausse invisibilité. En plus, il y a mon semi collé à lui. Qu'est-ce que cela t'apporterait de sauver la tienne? Les autres, ils se servent de toi pour arriver à leur fin. Boum. Boum. Devant toi. Il y a des moments où j'ai quand même du mal à le voir. Hein? Le sol tremble. Vision quelque chose. Ça y est, on est. Alors, tout à l'heure, j'ai pas réussi à l'esquiver. Oh, et là, j'ai réussi. Frey, tout va bien? Devant toi. Ça y est, on y est. Boum. Je le vois, tu es las. Et tu portes un fardeau. Pourquoi t'imposer toute cette... Oh là là. La vérité est à double tranchant. Bah j'ai gagné. Hein. 13 d'XP. Mon fidèle acolyte. Ah, vous éprouvez des choses alors. Regarde-le bien, ton fidèle acolyte. Hein. Je pensais que sa mort nous délivrerait de l'illusion. Mais rien n'a changé. Attends, t'es en train de dire qu'on est coincé là? Laisse-moi te révéler une chose, Frey. Hein? Je ne vois rien d'autre que du désespoir qui t'attend. Mais putain! Ce machin est censé être mort! Non! J'entends plus rien non plus! Ah. Vraiment? Et maintenant? Crabbe? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends parfaitement. Ah oui, mais si tu me le dis, elle bon, peut pas t'entendre. À nouveau. Quand ce rêve s'effondrera. Allez, vite! Tu seras aussi. Oh, on n'a pas eu le temps. Il a l'air encore plus puissant. Sois vigilante. Bon, ça va, ça a l'air raisonnable. Oh là là, cette esquive, mon gars. Ah ouais. Hey. Arrange-toi pour ne jamais te retrouver acculé. Non mais c'est bon, je vais pas me faire acculer. Hop, je suis en train d'esquiver à l'infini là. Oh, ah. Je vois plus rien. Calme-toi. C'est bon, c'est bon passager. Ouais, je vois bien là. Alors, faut taper celui du milieu. Hein. Des clones? De mieux en mieux. Bon, les clones n'ont pas beaucoup de PV. Hein. Oh, je peux pas. Wow. Tant que la boule me suit. Un autre sort. Tac. Ok. Petit semi. Oh, le semi a touché. Ah, j'ai plus de magie. Ah ouais, ça. Ouf. C'est bon pour ma magie. Ravi de l'entendre. Puis-je te suggérer de l'utiliser? J'ai vraiment raté ce truc, là. Oh. Hop, prison aqueuse. Prêt, accroche-toi. Vaudrait mieux fuir. Ça a dû faire mal. Hop. Les épées. Un peu de changement. Mes clones. Encore le champ de force, Frey. J'ai remarqué. Je m'éloigne, c'est ça? Parfaitement. Oh. Boum. Tu es avec moi? J'abandonnerai pas. Ah. Cela empire tant que tu restes à l'intérieur. Ah, lui, il est mort. Ah ouais, ça. La tourelle. Allez, un petit semi, ce serait bien de le toucher. On a touché. Voilà, ça ne pourra pas nous arrêter cette fois. Boum.
Bon, il était même un peu plus faible, hein, j'ai l'impression. Il avait juste l'aveuglement, c'est tout. Oh. Tu n'as rien ? Putain, c'était quoi tout ça ? Tanta Olas a eu recours à ses dons pour entrer dans ta psyché. Elle a exploité tes désirs les plus secrets. Mais c'est fini. T'es bien sûr ? Oui, tu es dans la réalité. Ok. Et elle est où, cette réalité, exactement ? Eh bien, à Visoria, à première vue. Le royaume d'Olas. Et c'est son château ? J'imagine, oui. Alors, que fait-on ? Bon, quand même. On va se la faire. Ah, ça me plaît, ça. C'est bon, c'est devenu une vraie héroïne. Elle a changé d'avis. C'est beau, hein. On va se la faire pour le plaisir. Oh, 1700 d'XP, encore un level. On a gagné moult level. J'ai arrêté de compter au bout de 10. En vrai, j'en ai aucune idée. Peut-être 4, 5, 6, peut-être. Chapitre 10 terminé. On a quand même fini deux chapitres là en même pas 40 minutes, quoi. Envoûtement. Les chapitres vont vite, hein. Premier truc que je vais faire, c'est ouvrir la map, hein, dès que j'ai accès à quelque chose. Hein. Visoria a pris cher. Cet endroit ressemble à rien, non ? Le royaume tout entier est normalement sous l'emprise d'Olas. Pourquoi faire un effort de décoration quand elle peut lui donner l'apparence qu'elle veut ? Ouais, je sais pas ce qu'elle va nous sortir cette fois, mais ça m'empêchera pas de la buter. Salut Tilian. C'est bizarre. Parfois, Tanta Olas semblait presque, je sais pas, sensée, lucide. Ça m'étonnerait. La corruption ronge l'esprit des Tanta depuis de nombreuses années. Mais tout ce truc à propos des sacrifices et des victimes, tu crois qu'il y a un peu de vrai dans tout ça ? Elle est malade. Elle ne faisait que jouer avec tes émotions. Elle aurait dit n'importe quoi pour maintenir son emprise. Peut-être. Que va-t-il se passer à Atia ? Alors, il se passe quoi après ? Après quoi ? Si je tue toutes les Tanta, c'est quoi la suite ? Tu mets un terme à leur règne. Tu gagnes. Ok, super. Mais il se passe quoi ? Pour Atia, je veux dire. Pourquoi demandes-tu ? Regarde autour de toi. C'est la merde ici. Ce sera pas... Pouf, tout va mieux. La brume ne disparaît pas quand les Tanta meurent. Elle arrête juste d'empirer. Les lieux indiqués sur la carte d'Oden ont été ajoutés à la carte monde. Château de Visoria. Encore le château. Ok, le château est juste là. Là, on a une petite baraque. On va aller dans la maison histoire d'avoir un... Je dois trouver le bon angle. On va faire une photo d'abord. Ah, mais c'est vraiment le bâtiment en fait. Bon, elle est belle la photo quand même. J'ai hâte de montrer ça aux gamins. Ils auront largement de quoi se réjouir. Hop là. Enfin ! Oui, voilà qui arrive effectivement à point nommé. Là. Oh. Il est mignon. Allez, je m'y mets. Est-ce qu'on peut améliorer quoi que ce soit ? Ah, confère un bonus de chargement magique d'afflux. Augmente le taux de critique. Et on a encore un effet à ajouter.
Tac. Juste équiper celle-ci du coup. Ça donne 4 partout, du coup c'est bien. Ah, on a perdu pas mal de fleurs. On en avait tellement. Pas loin de 100. Enfin, 3 carrément. Tu aimes lire, on dirait. Bah, j'en ai 2 à rendre. Améliorer. Effet prolongé et magie violette plus 1. Hop. Augmente les dégâts de l'attaque et la magie violette plus 1 encore. On va essayer ça. Fusion. Tant, on s'en est jamais servi. Hein. Un choix de mission intéressant. Bon, on va aller les essayer. Hein. On va l'essayer maintenant. Hein. De nouvelles aventures nous attendent. Écoutez, on croirait qu'on fait ça pour s'amuser. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Pas si dur à faire en vrai. En gros, tu restes appuyé sur les deux et tu revois en boucle. Bon. Alors attendez, hein. Ça c'est quoi? On va aller voir ce que c'est. Archive, cap. On peut se rendre à cette maison. À celle-ci. Et à celle-ci. Ça, on va aller voir ce que c'est. Hein. Ne te laisse pas encercler. Non mais t'inquiète, hein, normalement ils peuvent pas monter. Hein. Ah mais c'est les dés. Méfie-toi! À quel moment? Oh, sérieux? Ah oui, sérieux! Avouez que c'était inattendu! Ouais. La biche qui me rejoint, quoi! Les attaques au lieu de l'utiliser pour les repousser! Oh, t'as peur de ton vieil? Ah, c'est compliqué en vrai. Quoi? Mais c'est pas encore bon? Concentre-toi, frère. Non, c'est bon, hein, vous m'avez embrouillé maintenant. Allez, go. Hein. Allez. Go, vous allez mourir. Hein. Notre puissance est actuellement au maximum. Ça y est, on y est. Je vous voulais pas de mal au début. Hein. J'y vais. Voilà, un de moins. Ouais, ce serait bien de lui réduire assez les PV. Évite de foncer tête baissée pour l'instant. Ouais, merci de m'avoir prévenu. Voilà pour ça. Par contre, ça fait beaucoup de dégâts, hein, oh, de pas ce que j'ai vu. C'était dingue. Bon, c'était pas fou. Hein. Un parta dans un coin perdu. Alors, frère, tu te sens en veine aujourd'hui? Pourquoi pas? Oh, c'est bon, les reblasés. Bon. C'est mon jour de chance. Hey! Hey! Bon. Dans tous les cas, je vous remercie du temps passé sur cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.